On peut aussi se dire que, on peut se poser des questions, on peut regarder en face les choses, non? Oui, ça m'empêche. Il y a des points d'amélioration, bien évidemment, mais quand vous savez, ce sont les mêmes, et je le répète, et je n'ai pas peur de le dire, hein, ceux qui nous soignent, c'est les mêmes qui nous ont besoin. Oui. Ils ont la maîtrise totale du système. Alors que ce soit techniquement, ou autrement, il faut bien manger. Et puis maintenant, la diversification de la demande de produits divers, de façon diverse de se nourrir est tellement importante, mais c'est une manne intéressante aussi pour tous ces gens-là. Vous allez dans un supermarché, il y a plus, très bien, hein, la France est le deuxième ou le premier pays en Europe, avec l'Angleterre, où il y a le plus d'animaux domestiques. Ah oui, ça c'est sûr. Les rayons sont beaucoup plus importants pour les animaux que pour la puériculture. Le chat, la tariade droite de casser, le chat qui sort le matin de 9 à 10, le chat qui est stérilisé mais qui est dehors, le chat. Vous voulez dire qu'on fait plus attention Non, c'est pas ça, alors on nous fait consommer. Oui, voilà, c'est d'accord. Mais on n'est pas obligé de consommer. On a quand même une. Bien sûr qu'on est influencé par la publicité, on est dans un système, mais on garde un libre arbitre quand même. Et il y a des gens qui se posent des questions. Aujourd'hui, non? Alors aujourd'hui, on est libre de consommer ou pas. Et je vois la COVID-19, pour les gens qui ne sont pas vaccinés, ils sont interdits, c'est vrai, vous allez me dire, c'est grand. Ils sont interdits de supermarchés ou de grandes surfaces, supermarchés. Dans certains coins, oui. 20 000 mètres carrés. C'est bien. C'est bien. Moi, je n'ai plus l'intention d'aller dans ces grands magasins-là. J'y vais de moins en moins. J'y vais de moins en moins pour plein de raisons. Raison de surconsommation. Nous, c'est très rare quand on va dans les grandes surfaces aussi. Enfin, nos petites courses au supermarché, mais il ne fait pas 20 000 mètres carrés, donc on est dans notre petite commune. Et pour revenir à ce qui se passe dans nos campagnes, ça fait un demi-siècle que ça dure. Et on ne s'en aperçoit que maintenant. En 1974, vous vous rappelez de René Dumont, qui avait agité au moment des élections présidentielles, qui avait agité le torchon en disant « Attention, attention, on est en train de partir dans une très mauvaise direction ». Je crois qu'il a eu combien 2% de... Mais il l'a dit, et c'est à ce moment-là que le club de Rome a... Donc, des experts, on va dire, hein, avait dit attention, le tout pétrole c'est un problème, la voiture c'est un problème. Mais c'est vrai. Mais dire que c'était un problème, on pouvait peut-être déjà réfléchir. On est parti dans une mauvaise direction. On n'a pas fait. Mais ça, c'est nous, c'est pas nos parents. Mais peut-être bien expliquer notre problème parce qu'on n'a pas compris non plus. Quand tu vis dans les villes, tu comprends pas tout ce qui se passe en campagne. Bon, tu sais, je vivais dans un appartement. Vous voulez dire qu'on a perdu le lien un peu avec la campagne? Oui. Il y a un fossé entre les deux. Oui, certainement. Oui. Ben ça, c'est du sopalin de compétition. Quand tu vois, ne serait-ce qu'une région parisienne, quand ils vont à la foire agricole, ils découvrent pour la première fois des vaches. À un moment donné, mais oui, moi j'ai des élèves, parce que j'étais prof d'histoire géo, hein. J'ai des élèves qui n'avaient jamais vu un épi de blé. Écoute, on leur parle des dinosaures, on leur parle d'un tête de mammouth, ne mâchent plus. La vache, on ne parle pas. Et dans les films américains, il y a des choses de maïs, il y a des bois, les gens ont mangé, mais du blé, ils ne l'avaient pas vu. J'étais allée en ramasser pour leur montrer ce que c'était. Moi, je suis ignorante de toutes ces plantes. Tu vois, des fois, je vous entends, tiens, c'est un machin. Oui. Après, il y a des applications. Oui, j'irai à la nature. Je pense que c'est oui pour apprendre. Quand on va visiter, tu vois, je regarde et tout, mais je suis incapable de les reconnaître. Oui, la mémoire, c'est la répétition. Les nommer, c'est déjà identifier et c'est aussi donner une vie à quelque chose. Oui. Et c'est vrai que ça peut. Mais il faut savoir qu'à l'école, le développement durable et toutes ces idées-là sont dans les programmes scolaires. Hein. Les petits, les jeunes, les collégiens ont peut-être plus de conscience que nous, adultes d'une certaine génération, on pouvait avoir. La génération qui arrive, là. Oui. Mais celle qui est passée,
Salut nos enfants aussi quand même, c'est eux qui instruisent ou qui instaurent. Enfin d'abord avec l'année d'éducation qu'ils viennent de passer, les pauvres. Non. Oui, ça c'est sûr, mais malgré tout, je pense que les jeunes sont assez sensibilisés. Nous, on a laissé faire beaucoup de choses certainement. Les moyens. On a laissé faire beaucoup de choses parce qu'on ne savait pas comment faire autrement. On ne nous a pas forcément expliqué. Mais je pense qu'on nous a on ne peut pas tout savoir. Il y a des gens qui savent tout. Et justement, ces gens-là contrôlent. Je pense qu'on n'a pas été assez documenté. Oui. Informé. Il n'y avait pas des émissions qui étaient comme maintenant, t'as de la vue. Mais est-ce que pour manœuvrer un peuple, il faut déjà commencer tout petit à lui apprendre, désolé madame, à lui apprendre des choses qui vont lui servir à rien dans sa vie. Les dinosaures, les mammouths, c'est très bien, mais on n'est pas obligé d'y passer 6 mois. Voilà. On peut y passer, c'est vrai qu'il y a des millions d'années, on peut s'y intéresser un petit peu plus. On ne parle pas des animaux actuels, ni des conditions d'élevage actuellement. Bah, surtout pas. Ils l'apprendront doucement, au fur et à mesure de leur vie, des émissions et tout ça. Et puis après, il faut bien manger. Moi je peux manger que des graines toute la journée, je peux manger que des fruits, ça ne me dérange absolument pas. Mais il y a des gens qui essaient aujourd'hui de produire la nourriture autrement. Et ça, spécialité bretonne. Voilà, ce n'est pas du ragondin. Avec du pain, mais cela. Si tu lisais, tu n'es pas sûr que après. D'accord. Si tu savais tout ce que ça contient. Tu veux que je te dise ce qu'il y a sur le morceau de brioche que tu as mangé ce matin? Mais exactement. Non, mais je suis entièrement d'accord. Oui, mais donc, pour revenir à l'alimentation, est-ce que vous, parce que ça c'est ma question, est-ce que vous, par exemple, à tous les quatre, vous avez une démarche, est-ce que vous cherchez à manger différemment maintenant que vous êtes plus informés? Plus de légumes, c'est sûr, on mange moins de viande. Mais je pense que c'est pas dû spécialement. C'est plus à nos mode de vie, parce qu'on est en retraite, on a moins d'activité, on peut manger ce qu'on veut, que quand on travaillait, ben, on allait au restaurant du travail, donc on mangeait ce qu'il y avait pour mourir de faim. Est-ce qu'on peut dire que à la campagne, on mange différemment en ville? Nous sommes tous à la campagne. Ouais. Moi, j'ai toujours aimé mes bêtes. Est-ce qu'en ville, nous ne sommes pas attirés par des produits tout faits un peu plus que à la campagne? Je ne sais pas. Ça dépend aussi de son éducation aussi. Nous avons été initiés à manœuvrer le couteau, la cuillère, la fourchette, le fourneau, savoir faire un bouton. Ça dépend ce qu'on trouve à disposition, peut-être. À la campagne, on peut avoir un jardin, c'est une super chance. Voilà. Oui, voilà. On produit ses volailles, on produit. Oui. Donc on peut se nourrir mieux, certainement. Différemment. Différemment. Mieux, je ne sais pas, on dit différemment. Ouais. Pizza. Mieux. Ah oui. Je pense quand même mieux. Oui, au principe, oui. Mais moi, je vois mes enfants. Et mes petits-enfants, alors faire manger un steak, quoi. Ah ouais? Bah, les enfants, maintenant, oui. Mais les petits-enfants... Écoute, moi... Tu leur achètes un bon steak. Ils veulent pas. J'ai eu mes deux petits-enfants... Ils vont rester dans l'assiette. Mais est-ce que c'est dans les... Non, c'est des tout-petits. J'ai des petits, du bon. Enfin, non, parce qu'on voit partir, disons, des générations, là, sur... soit ils deviennent végétariens, voire vegan. Non, mais... On sent qu'il y a des explorations. Oui. C'est des tendances, mais les gens explorent de nouveaux modes de vie. Mais après, ils cherchent. Ils cherchent des choses. C'est une tendance pour éviter de faire mal à l'animal. Et ça, je suis d'accord avec ça. Alors après, là, c'est pour le fun. Ils sont entraînés par les autres. Oui. Mais le respect de l'animal, oui. Parce que oui, c'est ça. C'est pour. Connaissant en parallèle un petit peu ce monde-là, c'est vrai que leur destinée, leur vie par rapport à leur destinée, c'est. C'est quand même pas très élégant. Il y a un film qui résumait un petit peu, dans le côté positif, c'est Avatar. Ouais. Avatar qui, il y avait une certaine forme de bénédiction avant de tuer l'animal, on remerciait. Oui. Donc à l'heure d'aujourd'hui, on abat les animaux, il faut manger de toute façon. Moi je trouve qu'au contraire, on y fait de plus en plus attention. Au début de ma carrière, oui, je ne sais pas du bien-être animal. On va voir aujourd'hui dans les abattoirs comment ça se passe. Hein. C'est différent. C'est dénoncé, mais il y a réellement des mesures qui sont prises. Ah ouais. On est allé très loin dans la maltraitance. Ah bah oui. Aujourd'hui, il y a peut-être encore des petites unités où les choses se font pas correctement, mais on peut imaginer que dans des gros groupes,
plus personne prendra le risque de, d'avoir ces obligations sanitaires. Et puis, ne serait-ce que pour la viande, c'est super important que ça soit fait dans des bonnes conditions. Parce qu'un animal stressé, on sait très bien que la viande, ça n'a pas de qualité. Enfin bon, ça a plein d'importance après pour le business. Hein. Donc ils y font un super gaffe. Il y a vraiment des vraies contraintes pour le bien-être animal aujourd'hui. Moi, j'ai toujours dit à mon patron, il était plus attentif au bien-être animal qu'au bien-être de ses opérateurs. Alors, il n'aimait pas quand je disais ça. Mais c'était tellement vrai. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Ils courent tout le temps, les jeunes. Ils courent tout le temps. Donc, ils ne prennent pas le temps de manger sainement. C'est l'un ou l'autre. Ils sont mal organisés. Pas mal organisés, mais déjà, tu vois, ils ne vont pas tous manger à la même heure. Ce n'est pas la même vie. Chacun mange ce qu'il veut, presque, quoi, tu vois. T'as les goûts de chacun, et moi je vois ma fille, si elle va faire par exemple un gratin d'aubergine, elle sera toute seule à en manger. Donc il faut qu'elle... Parce que les autres ne peuvent pas en manger. Tu veux les enfants d'aujourd'hui, et pourtant à l'école, dans les cantines, ils font la diversité. Oui, ils font la diversité. Oui, mais l'école peut faire beaucoup, mais ici les parents ne font pas. Il faut aussi que c'est un ensemble. Elle participe à l'éducation. Par exemple, on parle des cantines. Voilà, c'est l'école. Ils ont la variété des pour diversifier. C'est pas normal, ça. Non, mais l'école peut faire, mais les enfants, les parents. Je pense que c'est à la maison qu'on ne peut pas apprendre. Oui. Bonjour, au revoir. Merci. Mais c'est plus l'éducation, je parle d'éducation. Oui, mais je peux dire en tant que prof, il y a des élèves qui n'apprennent pas à la maison à dire bonjour quand ils rentrent dans une salle, dire bonjour à leur professeur. C'est un travail que je me chargeais de faire. Vous n'êtes pas là logiquement pour faire ça. Je pense que c'est essentiel parce que on peut très bien discuter. C'est l'idée de pouvoir échanger, d'être avec les uns avec les autres, avec des codes de courtoisie, de respect. Et ça fait partie, moi je le voyais un peu dans mon rôle quand même. Parce que le savoir des choses, mais aussi savoir être. Mais si, et puis être courtois. Des gens qui te saluent. Et puis même, des gens qui saluent pas. Ils leur apprennent entre enfants. Tu prêtes un crayon, tu dis s'il te plaît, tu rends le crayon, tu dis merci. La maîtresse, elle leur explique ça. Petite fille, des fois, elle me le dit. Tu m'as dit merci. L'autre côté, l'école, c'est bien, ça permet à certains enfants d'avoir au moins un vrai repas par jour. Oui. C'est vrai que les parents, ils ont des horaires. Moi, je vois ma fille, elle finit très tard. Tu sais, les ados, ils mangent ce qu'ils trouvent dans le frigo. Mais c'est pas eux qui vont se préparer une petite ratatouille ou un petit. Avant, il y avait des cours de cuisine dans les années 50, 60. Et bien, ça va cuire des pâtes. Ah, je sais pas, je n'ai pas né. Il y avait des cours de cuisine. Ah non, mais je ne fais pas mal. Je blague. il y avait des cours, il y avait comment ça s'appelle, ils vont savoir cuire des pâtes. Mais tu ne vas pas leur demander de faire des pâtes. Tu sais, quand ils commencent à cuisiner, c'est quand ils s'en vont à la maison, quand ils sont étudiants. Ils achètent des pâtes, spaghettis. Mon fils, il a. Ou alors autrement, ils font les initiations. Il arrivait du lycée. Il faisait pour les copains, il faisait toujours des pâtes carbo. Il y avait plein de gamins qui venaient à la maison manger des pâtes carbo. Ah bah oui, puis en plus, c'est bien fait. La crème, les lardons, c'est bien. Bien riche, ça tient encore. Tu peux voir. C'était un gamin à table. Tu pouvais passer 3 heures à table. Il avalait 3 pâtes. On parlait des enfants tout à l'heure, le fait qu'ils mangent mal. Regardez simplement, on va aller se promener aujourd'hui. On regarde la corpulence des gens. Ah oui. Et surtout chez les jeunes. Hein, je vais regarder ça. Si c'est vrai, je vais regarder. Alors peut-être que génétiquement parlant, ils peuvent avoir des soucis de santé, bien évidemment. Comme dans l'autre sens aussi, les gens qui sont d'une maigreur extrême. Oui, mais on dit bien que désormais, il y a de plus en plus de personnes en surpoids en France. Mais parce qu'on mange beaucoup de produits raffinés, transformés. Quand on prend de l'âge, c'est différent. Moi, je connais une activité physique. Notre surface de caresse s'agrandit. C'est surtout que les gens ne bougent plus. Quoi. C'est ça, voilà. Ils sont rentrés et puis ils consomment du coca, des machins, des trucs. Hier, nous sommes sur une terrasse. On boit un verre dans l'après-midi. Et puis, je dis à Philippe en ressortant de la terrasse, j'ai dit, tu vois, ils ne se parlent plus, mais peut-être que je fais la même chose aussi.
Hier soir, j'ai répondu au téléphone. Nous étions en train. Ils étaient l'un en face de l'autre, là, avec deux jeunes, là. Voilà, ils étaient l'un en face de l'autre. Ils s'envoient des SMS. Philippe, en souriant, lui dit, mais il s'envoie des textos, lui. Ben, ah, ok. D'accord. Il y a plus de communication, donc il y a des isolements, on n'apprend plus rien. Mais ça. On se réfugie sur ce qu'on a appris, et puis c'est pas forcément. À la base, c'est nous qui avons démoli certains systèmes. Enfin, c'est.